toute première fois que je quitte la Terre. En fait, c'est un genre de super promotion. Et toi, alors? C'est à peu près pareil. Dans l'univers scientifique, être envoyé sur Phobos, c'est mieux que gagner au loto, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est marrant, Phobos, chez nous, c'est considéré comme le pire gros lot qu'un marine puisse décrocher. Suite aux examens faits sur le Dr Barnes, nous avons trouvé des antidépresseurs qui expliquent sans le moindre doute son état actuel. Concernant la procédure, nous avons aussi constaté des surtensions inhabituelles, une surchauffe du réacteur central et des coupures. Nous installerons une nouvelle alimentation d'urgence afin de renforcer le portail lors du prochain test. Je vous conseille d'en faire autant. Je suis d'accord, mais le comité directeur de l'IOSI voudra tout arrêter avant de connaître les causes de l'incident. Le comité, moi j'en fais mon affaire. C'est-à-dire, j'ai une grande latitude sur la nature des informations que je daigne leur communiquer. Je pense que cet incident décrédibilise injustement toutes nos recherches. L'important est d'avoir téléporté un humain de la Terre à Phobos, qui est en proie à de graves désordres psychologiques moins d'un sol plus tard. Dû aux antidépresseurs, y a-t-il des changements physiques? Nous savions que cela provoquerait un problème de restructuration cellulaire. Nous avons déstructuré un être humain et avons trouvé le moyen de le réassembler. Alors je ne vais pas tout arrêter parce que ses ongles ont trop poussé. Docteur Bettruger, et si le voyage n'était pas aussi instantané que nous l'avons toujours supposé? Nous violons toutes les lois de la physique. Je suis le premier au courant de ce qu'on a fait. Ahmed, nous allons manquer de temps. Si nous stagnons, ils vont tout arrêter. L'enjeu est bien trop grand. Je ne vais pas autoriser les bureaucrates qui ne comprennent rien à la science qui nous garde en vie aujourd'hui à avoir le droit de décider celle qui nous maintiendra en vie demain. Je refuse de sélectionner un autre candidat pour franchir le portail. C'est inutile. Ce sera moi. Phobos est aligné sur l'or martien. Un jour martien s'appelle un sol. Un sol dure 24 heures et 39 minutes. Phobos est la plus secrète et la plus grande des deux lunes satellites de Mars. Et le centre de recherche est situé à 1 km au nord du cratère Stickney. Mais monsieur, on doit retenir toutes ces informations par cœur. Vous me fatiguez, Hans. Je vous en prie, docteur, joignez-vous à nous. Vous connaissez tous le docteur Bennett Stone. Si ce n'est pas le cas maintenant, c'est fait. Il faisait du stop et je me suis arrêté. Le centre est situé à l'intérieur de la Lune et est divisé en 3 niveaux. Le principal, où nous trouvons les bureaux, la soute, les quartiers, l'administration et des équipements divers. Niveau 2, service et maintenance, où se trouvent tous les serveurs informatiques. Et enfin, le niveau 3, où il y a les laboratoires et le réacteur. Quel genre de réacteur? Réacteur à fusion. Nucléaire? Oui, mais sans danger. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème avec le nucléaire. Cette lune est beaucoup plus dangereuse que ce réacteur. Mais encore? Eh bien, Phobos est l'un des satellites les plus instables en gravitation et est surnommé la lune maudite. Cool. Merci beaucoup, Dr. Stone, de nous donner à tous une trouille monstrueuse. Passons maintenant au personnel de la base, ils sont 90 en tout. Majoritairement des scientifiques, mais également des gens de la maintenance, la sécurité et l'équipe de cuisine. Il y a aussi un aumônier, si l'un de vous a besoin de se confesser. Notre toute première obligation... Je savais qu'on allait en arriver là. ...est d'assurer à la base sa sécurité. Tu es visité. Et le danger alors, c'est quoi? Pardon, vous disiez... Si on fait de la sécurité, on les protège de quoi? Les brevets et différents logiciels que développe UASI valent des milliards au marché noir. Et le fait est que la contrebande est en train d'exploser. Pourquoi on nous envoie tous là-bas? Il n'y a qu'une personne qui a déconné. Alors quoi, on doit tous être punis? Et celui-là, si tu fais allusion à moi, elle aurait au moins les couilles de me le dire en face. T'as déconné, lieutenant. Et on se retrouve tous coincés pendant 3 ans à aller se faire chier sur une lune pourrie. Taisez-vous, c'est un ordre. Qu'on échoue, qu'on réussisse, on reste soudés. Et si vous croyez que je suis incapable de trouver un endroit plus merdique dans le système solaire pour vous laisser crever, vous vous trompez. Vous m'avez bien compris? Oui, monsieur. Il nous reste un peu plus d'1 heure avant l'alunissage. Rassemblez vos affaires personnelles et mettez-vous en tenue. Merci, Grombé.
jamais durant une biostase. Ça se résume à fermer les yeux durant un moment. J'ai l'impression de t'avoir à peine quitté. J'ai du mal à supporter. J'aurais jamais dû embarquer, t'avais raison, j'aurais dû renoncer. Du coup, dès notre alunissage, j'organiserai toute mon équipe et ensuite, je démissionnerai. Ça va les faire chier. Mais le vieux Marine doit raccrocher. Je vous aime, toi et Bernadette. Je veux être avec vous, je veux rentrer. Je veux et je vais rentrer. Activation. Thank you.
Attends.
passe. Capitaine, tout droit, à travers le jardin, droit devant.
faire. Bordel. J'aurais dû le faire avant. Daisy, Mario, décollage. Je suis désolée, mon cher Logan. Mais je refuse de vous y autoriser. Quoi? Comment ça, tu refuses de m'y autoriser? Daisy, arrête. C'est pas le moment, je vais m'énerver, alors tant pis. Personne n'est autorisé à y accoler. Oh. Oh. Daisy. Tu vas te grouiller de remettre le courant et nous préparer au décollage. Daisy! Ne m'appelle pas Daisy. Nous étions au beau milieu d'une expérience lorsque tout devint soudainement noir. J'ai dû m'évanouir. Quelle était la nature de cette expérience? Je n'ai pas le droit de vous livrer ce genre d'informations. L'un de nos ordres de mission est de savoir ce qui s'est passé. Quatre membres de mon commando et une douzaine de personnes qui travaillaient ici sous vos ordres sont morts à cause de votre activité. Docteur Maitrugger, que vous le vouliez ou non, vous allez me dire sur quoi vous travaillez. L'objectif de l'USC, depuis les trois dernières décennies, est de vouloir coloniser une nouvelle planète hors de notre système solaire. Si l'espèce humaine veut se perpétuer, elle doit trouver une nouvelle maison. Nous avions trouvé plusieurs planètes compatibles, mais les atteindre était impossible. Quant à votre soldat, il vous a dit la vérité. Nous avons découvert plusieurs grosses dalles de pierre portant une inscription gravée sur le dessus. Quel genre d'inscription? Un genre de sumérien, mais avec de très légères différences. Nous les avons surnommés des portails. Vous savez ce que c'est? Ces pierres permettent de voyager d'un point à un autre sans devoir traverser l'espace physique les séparant. Des téléporteurs? Les aliens avaient des téléporteurs? Nous n'en avons trouvé que deux. Un ici, et l'autre sur la Terre. Nous ne voulions pas perturber leur environnement, alors nous avons construit nos bases autour. Et puisque ce sont les seuls que nous avons trouvés, notre théorie est qu'il y en a d'autres dans tout l'univers. Théorie basée sur quoi? Nous pensons que ces portails ont au moins 7500 ans. Et sont constitués d'un composé chimique que nous n'avons pas identifié. Et s'ils ne sont pas d'ici, c'est qu'ils viennent forcément d'ailleurs. Nous sommes d'accord. Nous avons passé des décennies à essayer de découvrir ce que c'était. Et le plus incroyable est que ces portails sont antérieurs aux pyramides et qu'ils ne peuvent fonctionner que s'ils sont couplés à la technologie que nous venons juste de créer. C'est comme s'ils avaient su que la découverte de ces portails était inscrite dans notre histoire. Vous savez qui sont ces îles? Voilà une question à 10 milliards de dollars. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez ouvert ces portails et ensuite? Je vous l'ai dit. J'ai aucun souvenir. Ouais, bah faut pas être Albert Einstein pour deviner. Vous branchez le truc et on voit arriver ces machins qui débarquent dans ces eaux. Non. Ces machins qu'on a affrontés étaient des humains qui travaillaient là. Ils étaient en tenue, j'ai vu leur badge. Mais une entité a dû pénétrer en eux et les transformer. Ouais, et j'ai vu ce que ça a donné. Des monstres. Je les ai vus aussi. Moi, je vous dis que c'était des
sur un moyen de faire voyager les humains à des millions d'années-lumière en quelques secondes, ils pourraient avoir fait des découvertes qui bluffent les scientifiques durant des siècles. Oui, lesquelles? Eh ben, la plus ancienne forme de langage connue sur Terre est le sumérien. Et si c'était à eux que nous devions notre langage? Et c'est peut-être leur technologie qui est à l'origine de tout nos mystères, comme la construction de nos pyramides. Ces choses ont tué pas mal de mes amis et ont failli nous détruire. Alors tu m'excuseras si je suis pas aussi admirative. Oh, putain.
Thank you.
torpedos, j'ai dû en commettre aussi. Bouclez-la, Doc. Ah, le soldat Winslow. Dans votre déposition à la commission, vous disiez que le lieutenant Dark était incompétent, qu'il fallait l'arrêter et la renvoyer pour déshonneur. Soldat Corbin, vous avez demandé à être réaffecté parce que vous ne faisiez plus confiance au lieutenant Dark. Johan, j'ai jamais dit ça. Quant au capitaine Savage, il voulait que le lieutenant Dark soit accusé de trahison. De trahison! Passible de la peine capitale. Ça y est, j'ai fini. Thank you.
FG-9000. J'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Je comprends que les Marines ne l'appellent pas comme ça. Comment ils l'appellent ? Le putain de canon. Ouais, logique. Il tire une rafale verte de plasma au lieu de tirer des balles. Alors, ce serait un fusil laser ? Genre un vrai fusil laser ? Pourquoi vous en êtes pas tous équipés ? Sûrement à cause des cartouches de plasma qui servent de munitions et qui tiennent la charge très peu de temps. Des grenades au plasma. L'UAC nous fait des cachotteries. Faut qu'on trouve la clé. Je crois que j'ai de la chance de ne pas croire à l'enfer. Pour reconnaître que t'as fait une bêtise. Mais tout ce qui est arrivé aujourd'hui...
mathématiques, le langage, les sciences, nous leur devons tout. Et sans leur apport, nous n'aurions pas évolué. Ils veulent simplement, et à juste titre, récupérer leur bien. Thank you.
Parce que j'ai vécu, je me fous.